y va. Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia, agradecer naturalmente también a la Red de Bibliotecas de Donostia Cultura y al Museo de San Telmo por su acogida y naturalmente a Delfín Minuí por haber aceptado nuestra invitación. Tenéis referencias ya biográficas sobre ella. Sabéis que es una escritora y periodista franco-iraní que ha trabajado esencialmente en Oriente Medio, que ha recibido por su trabajo como periodista el premio Albert-Londres, que es el premio de periodismo más importante en Francia, y también es autora de distintas publicaciones, entre las que se encuentra Je vous écris de Téhéran, Os escribo desde Teherán, que es el libro que va a ocuparnos hoy de manera particular. Haremos un diálogo. Yo he preparado una serie de preguntas que ella va a ir contestando y después hablándonos de lo que le parezca, y a partir de un determinado momento os pasaremos la palabra para tener una conversación más amplia. Como es más fluido para la conversación, la vamos a mantener en francés y así vais a tener la oportunidad de tener la traducción, más corrida, como os decía, más fluida. Alors, bonsoir, Delphine Minuit. Bonsoir. On vous accueille vraiment à Saint-Sébastien avec un grand plaisir, surtout que c'est votre première visite chez nous. Et alors justement, j'aimerais commencer par le début, et par ce besoin de retrouver votre partie invisible qui vous a donc conduite vers l'Iran et où vous avez vous êtes resté pendant plus de 10 ans. Alors, pouvez-nous raconter un peu ça, le début? Donc, je suis franco-iranienne, maman est française, papa était iranien. Je suis née à Paris et j'ai grandi dans un milieu très français, très francophone. Mon père était arrivé en France à l'âge de 11 ans, donc il était tout petit, c'était encore à l'époque du Shah. Et ensuite, il a épousé ma mère, il a fait ses études en France, il n'est jamais retourné en Iran. Des années et des années plus tard, arrive l'année 1997, et en fait, pour moi, ça a été une année charnière. 97, c'est l'année où je sors de mon école de journalisme à Paris. C'est aussi l'année où un président réformiste en Iran est élu. Il est religieux, mais il est plus ouvert que les autres. Et tout d'un coup, il change un peu, je dirais, le visage qu'on avait de l'Iran, qui était une image très figée depuis l'arrivée des religieux au pouvoir en 1979, après la Révolution. Les rares images qu'on avait de ce pays, qui était très fermé, très isolé sur la scène internationale, c'était les tchadors noirs, les ayatollahs avec des turbans, le soutien au terrorisme international, et point à la ligne. Donc j'avais conscience un petit peu de mes origines iraniennes, mais je ne parlais même pas la langue. Et cette même année, mon grand-père, iranien, qui vivait toujours à Téhéran, a dû venir un petit peu en urgence à Paris, en France, pour subir une opération du cœur. Et puis, en fait, c'était ses artères qui se bouchaient. Et les médecins nous ont convoqués à l'hôpital pour nous dire qu'il était trop dangereux de faire cette opération et que malheureusement, il lui restait quelques jours à vivre. Et pour la première fois, donc j'avais une vingtaine d'années, pour la première fois, il y a eu cette prise de conscience, d'une part, de ma culture, de mes origines, de ce que j'appelle ma moitié invisible, qui allait disparaître. Et j'en avais une totale méconnaissance. Et donc, je me suis donné pour mission d'essayer de rattraper le temps perdu, même s'il était déjà trop tard. Et j'ai passé jour et nuit auprès de mon grand-père à l'hôpital à Paris. Et avant de s'éteindre, mon grand-père m'a fait un magnifique cadeau. Il m'a donné mes premiers cours de persan. Et il m'a offert un très, très beau poème d'un grand poète persan du XIVe siècle, Hafez. Et dans ce poème, en fait, ce poème disait qu'il ne faut pas avoir peur de la vague, qu'il faut oser s'aventurer au-delà du sable rassurant du rivage.
Et ça a été un peu le dernier souffle de mon grand-père. Mais ce dernier souffle, c'était comme une sorte de message que j'ai lu à travers les lignes. Et ça m'a donné envie d'oser aller au-delà de la vague et de partir en Iran. Et quand je suis partie la première fois, je pensais que j'allais rester quelques semaines. Et au final, j'y suis restée une dizaine d'années. Donc vous arrivez en Iran, et vous trouvez effectivement une réalité que vous nous racontez de l'intérieur et qui contredit effectivement tous les lieux communs de l'Iran vu de l'extérieur. Mais je dirais que c'est un Iran aussi en poupée russe parce qu'il y a à l'intérieur un autre Iran qui ne se montre pas. Ce côté de l'Iran visible, même de l'intérieur, et de l'Iran invisible. La moitié invisible aussi de l'Iran. Parlez-nous un peu de ces deux mondes, le visible et l'invisible. Et c'est intéressant que vous abordiez ça parce qu'il y a même il y a des expressions qui existent en Iran. On parle du dedans, la vie du dedans et la vie du dehors. Et en fait, très rapidement, en arrivant à Téhéran, donc en essayant de soulever ce voile noir qui existait sur le pays et d'aller derrière le voile, j'ai découvert une société complètement schizophrénique. Mais complètement. C'est-à-dire qu'on se comporte d'une certaine façon dans la rue, et j'ai pu le vivre plus précisément en tant que femme, puisque dès que vous arrivez à Téhéran, le voile est obligatoire. Que vous soyez étrangère, que vous soyez iranienne, vous devez le porter. Que vous fassiez aussi partie d'une des minorités religieuses, parce qu'il y a des petites minorités religieuses en Iran, comme la minorité chrétienne ou encore la minorité juive. Vous devez apprendre très rapidement à ne pas... Vous ne pouvez pas serrer la main aux hommes dans la rue. L'alcool est interdit. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de nightclubs. Par contre, quand vous allez dans les maisons, vous réalisez que tout est possible. Moi, ce qui m'a marqué la première fois, c'est quand vous rentrez chez les gens, les porte-manteaux croulent sous les foulards, les manteaux, ils sont pendus, au sens propre du terme. C'est comme si les femmes se vengeaient. La première chose qu'elles font, c'est qu'elles accrochent leur foulard à l'entrée. Et une fois qu'elles retirent le manteau et le voile, elles nous ressemblent. Elles sont comme vous et moi. Et j'ai découvert que derrière les murs des maisons, il y avait une vie tout à fait normale, presque, entre guillemets, et ça c'est le paradoxe de l'Iran, presque beaucoup plus simple que notre vie ici en Occident. Parce qu'avec un téléphone portable, vous pouvez tout faire. Vous pouvez briser tous les interdits. Vous composez un numéro et vous commandez de l'alcool frelaté, alcool clandestin. Et après, vous apprenez aussi les codes. Il y a des mots pour tout. Alors, si vous voulez commander, par exemple, du vin rouge, vous allez demander un jus de cerise. Vous voulez du vin blanc, vous allez demander un jus de raisin. Et puis, quelques minutes plus tard, vous n'avez même pas besoin de descendre dans la rue, quelqu'un sonne à la porte et vous tend un sac plastique poubelle dans lequel il y a ce breuvage illicite. Les gens ne s'ennuient pas dans les maisons. Ils organisent des soirées poétiques, ils organisent des soirées musicales. Et la fronde la plus extrême, mais qui se reproduit tous les week-ends, ce sont les fameuses soirées clandestines, où les amis se rassemblent, installent une sono, de la musique, et se mettent à danser sur la piste de danse. Et là, tout d'un coup, on se retrouve dans un nightclub privé. Ouais. Cela parle aussi, d'une société qui a un rapport, disons, naturel au mensonge. Donc le mensonge devient quelque chose qui fait une partie, qui appartient vraiment au quotidien. Oui, c'est-à-dire qu'on vit au quotidien avec le mensonge. Et le mensonge est d'autant plus intégré dans la culture iranienne que, si on se base aussi sur la religion iranienne, le chiisme, qui est une branche de l'islam, le chiisme tolère ce qu'on appelle, il y a une pratique qui s'appelle la taqiya, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de mentir pour sauver les apparences. Donc les Iraniens qui détestent la religion parce qu'on veut leur imposer d'en haut, utilisent ce prétexte religieux pour se permettre aussi de mentir. Ils l'ont utilisé à leur avantage. Et puis le mensonge, il est quotidien parce que révéler... En fait, je parle souvent de masque en Iran. Donc, révéler son masque caché, c'est aussi une part de risque. Donc, les enfants, quand ils sont tout petits, finalement, ils apprennent dès le biberon à mentir.
Parce que c'est une forme de survie. Parce que si les parents ils boivent de l'alcool à la maison, il ne faut surtout pas que la maîtresse à l'école soit au courant. Et bien évidemment, souvent, les enseignants sont les premiers informateurs qui vont aller rapporter ce que font les gens, qui vont aller rapporter au régime. Donc si la maîtresse pose la question aux enfants, alors dans la salle parmi vous, qui a vu son papa ou sa maman boire du whisky? Les enfants, ils savent qu'il faudra tout de suite répondre non, qu'ils ne sont pas au courant. Et donc c'est un mensonge intégré très très vite dès la plus tendre enfance. En rapport avec la question de mensonge et la question de la confiance, à qui on fait confiance? Et vous avez tissé pendant ces années en Iran des amitiés solides et profondes. C'est vrai que dans ce genre de pays, l'amitié a une vraie valeur. Parce que l'ami, ce n'est pas seulement le confident, mais c'est celui qui va pouvoir vous protéger quand ça va mal, qui va pouvoir vous prévenir s'il peut y avoir une menace imminente. Mais ce qui est terrible dans ces pays-là, c'est qu'on apprend très vite aussi à vivre avec la peur. La peur, on l'intègre. La peur, ça devient une compagne encombrante. Et donc, on en vient souvent aussi à se méfier de tout et de tout le monde. Donc, dans certaines situations, on en vient aussi à se méfier de ses propres amis. Donc, on apprend à peser les mots. Et on apprend aussi, si c'est nécessaire, cette culture du silence. Et je m'en suis rendu compte... À force de vivre à Téhéran, puisque j'y suis restée 10 ans au final, en fait, on pèse tous ces mots. Et quand on nous appelle au téléphone, on parle peu. Et quand j'ai quitté l'Iran pour après vivre dans d'autres pays, j'ai gardé ce réflexe. Et mes amis s'étonnaient que je sois si peu bavarde, ils ne me trouvaient pas du tout sympathique. Mais j'avais pris cette habitude de ne pas parler au téléphone en Iran, parce qu'on sait aussi que le téléphone est sur écoute. Donc le téléphone... on l'utilise vraiment pour le strict minimum, pour se donner rendez-vous. Et une fois qu'on se retrouve dans un café, en face à face, direct, avec ses vrais amis, c'est là où, à ce moment-là, on va tout déverser et tout raconter. On va revenir sur votre travail de journaliste, mais avant, j'aimerais... Il y a aussi quelque chose de très intéressant dans votre livre, aussi le regard sur les femmes, le regard d'une femme sur les femmes et les femmes en Iran. Mais d'abord, j'aimerais aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est vraiment un Iran, une société très complexe, dans le sens où il y a des minorités. Tous les passages des juifs, par exemple, Moshe Baba, j'ai trouvé extrêmement intéressant, le rapport à l'identité iranienne et en même temps juive. C'est-à-dire, c'est un pays où il y a beaucoup de gens différents qui habitent. Et des fois, vu qu'ils ont des codes différents et des règles différentes, ils peuvent s'entraider aussi. Vous parliez des Arméniens qui peuvent boire de l'alcool et donc deviennent finalement les vendeurs d'alcool. Donc vraiment, c'est une société extrêmement riche et on a l'impression que face au régime et aux règles strictes, la société est beaucoup plus mélangée qu'on ne le croit. Complètement, parce que en fait, donc quand l'imam Khomeini a pris le pouvoir en 1979, il a voulu imposer un vernis uniforme qui était le vernis de la religion, qui était politisé. Donc c'était une sorte de carcan pour imposer une sorte de contrôle justement sur cette diversité du pays, cette diversité sociale, culturelle. Mais la réalité, elle est tout autre. En Iran, finalement, il y a seulement 50% de la population qui est persane, mais après, en fonction des provinces, et d'ailleurs, il n'y a pas un physique précis iranien, il y a des physiques très très différents, surtout quand vous vous rapprochez des frontières. Donc il y a une communauté baloutche, il y a une communauté arabe, il y a une communauté azérie, qui parle d'ailleurs plus le turc que le farsi, la langue iranienne, et puis il y a également beaucoup de communautés et de minorités religieuses. Donc il y a les chrétiens arméniens qui sont très présents dans la ville d'Ispahan. Il y a une communauté zoroastrienne. Le zoroastrisme, c'est la religion avant l'islam en Iran. Et donc ces gens-là ont encore des temples du feu, puisque c'est le culte du feu, notamment dans la ville de Yazd, au sud de l'Iran. Et puis vous avez aussi cette minorité juive qui, paradoxalement, est une des plus grandes... minorité, enfin, c'est une des plus grandes communautés juives
au Moyen-Orient, qui, malgré les interdits, a réussi à survivre. Et le paradoxe iranien est le suivant, c'est que même s'il y a ce carcan religieux chiite, il y a quand même un représentant de chaque minorité religieuse au Parlement. Donc les cultures minoritaires ne sont jamais vraiment mortes. À Téhéran, vous avez des synagogues. Et donc la communauté juive a un droit au culte. Et dans le cadre du culte, elle a aussi le droit de fabriquer son propre alcool, tout comme les Arméniens. Ce qui rend service aussi aux autres minorités, entre guillemets, c'est-à-dire par exemple les jeunes qui veulent s'amuser, mais qui n'en ont pas la possibilité à cause du système. Donc en effet, dans le livre, j'évoque ce qu'on appelle l'arménien de service. Quand on commande ce fameux alcool dans des sacs en plastique poubelle, on va appeler, alors ils ont toujours souvent les mêmes prénoms, Édouard ou Éric, et entre eux, les jeunes Iraniens disent on va appeler l'arménien de service pour pouvoir récupérer de l'alcool, parce que s'ils sont arrêtés dans la rue par la police des mœurs, ils seront moins en danger, ils ne seront pas menacés de prison comme pourrait l'être un Iranien musulman, parce que c'est un grand risque. C'est-à-dire que si un jeune Iranien musulman est pris dans la rue en flagrant délit en train de détenir des bouteilles d'alcool, il peut se retrouver non seulement au poste de police, mais il peut se retrouver derrière les barreaux. Et parlez-nous, Delphine, s'il vous plaît, des femmes, parce que quand même c'est un sujet extrêmement important. Quand on pense à l'islam, on pense immédiatement aux droits des femmes. Comment est la vie des femmes? Parce que vous aussi, en tant que femme, on va tout de suite parler de votre travail comme journaliste, mais les femmes en Iran, toutes ces femmes, ces jeunes, étudiantes, très actives, et finalement dans un pays où les droits des femmes, c'est pas encore évident. C'est encore une des contradictions de la République islamique d'Iran. Au regard de la loi islamique, la femme, c'est vraiment le second sexe. La femme vaut la moitié d'un homme. C'est le cas, par exemple, en termes de témoignage dans un tribunal, ou encore d'héritage. Une sœur va hériter de la moitié de son frère. Les femmes n'ont pas accès à certains métiers. Elles ne peuvent pas être juges. Et la raison invoquée est complètement ridicule. C'est parce qu'on prétend que les femmes sont trop émotives. Donc, par exemple, vous avez dû entendre parler de Shirin Ebadi, qui est une avocate iranienne qui a eu le prix Nobel de la paix il y a quelques années. Eh bien, à l'époque du Shah, Shirin Ebadi, ça a été une des premières femmes juges. Quand la révolution se produit et que ce sont les ayatollahs qui prennent le pouvoir, elle se retrouve au chômage. Donc, elle devient avocate par défaut. Et ce qui m'a fascinée, dès mon arrivée en Iran, c'est que malgré tous ces interdits, les femmes ont, ou peut-être à cause de ces interdits, les femmes ont développé une véritable culture de la résistance et de la fronde. Si on leur ferme la porte au visage, elles vont toujours se débrouiller pour rentrer par la petite fenêtre. Donc, au fil des années, les femmes ont créé des ONG, elles sont très très actives au sein des ONG, des associations, elles ont des magazines féminins, voire féministes. Et elles ont organisé plein de mouvements sociaux. Par exemple, les femmes n'ont pas le droit d'assister aux matchs de foot. Une des raisons, encore une fois, un peu tordues, c'est parce que les hommes, entre guillemets, sont à moitié nus. C'est-à-dire qu'ils portent des shorts et des t-shirts. Ce qui est complètement paradoxal, parce que si elles n'ont pas le droit d'assister aux matchs de foot, elles peuvent allumer la télé et regarder le même match. Et alors, il y a eu tout un mouvement quand j'habitais en Iran qui s'est créé. Ce sont des jeunes femmes, ça vient souvent des jeunes, qui ont décidé que, voilà, on n'a pas le droit d'aller dans les stades, mais on va quand même se débrouiller pour assister au match. Et donc, elles se sont mises, à chaque match, tout ce groupe de femmes, à se couper les cheveux très courts, à mettre des casquettes de gavroche sur la tête, de grandes chemises longues, et à se transformer en garçons, et donc à se déguiser. Et donc, à l'insu du regard des policiers, elles ont pénétré dans les gradins pour assister au match de foot. Et je trouve ça très audacieux, parce qu'il faut vraiment avoir du culot. Parce qu'encore une fois, le risque, il est gros. Si elles se font attraper, c'est direct en prison. Prison. Mais vous aussi, vous êtes donc une femme journaliste. Moi, en vous lisant, j'ai l'impression que vous nous donnez vraiment l'image d'un Iran très vrai, parce que très intime, parce que vous, en tant que femme, vous avez aussi accès à des endroits, à des rencontres qu'un homme n'aurait pas pu faire. Ça vous a aidé
paradoxalement aussi le fait d'être une femme? Complètement, ça c'est un vrai paradoxe parce que tout le monde me disait « Oh là là, tu es une femme, tu vas t'installer en Iran, tu vas avoir tu vas faire face à des obstacles en permanence. J'ai fait face, et on en parlera certainement après, à beaucoup d'obstacles parce que j'étais journaliste, mais pas parce que j'étais femme. Au contraire, le fait d'être femme m'a aidée. Parce que, comme on disait tout à l'heure, la première des conditions pour pouvoir vivre en Iran en tant que femme, c'est que vous êtes obligée de porter le voile. Et moi, j'appelle ça le voile passeport, voile passe-partout, parce que si vous portez ce voile, finalement, ça vous donne accès à toutes les sphères masculines. Parce qu'une fois que vous le portez, vous êtes considéré comme quelqu'un d'asexué. Et ça m'a permis, par exemple, d'aller fréquenter les milieux les plus extrêmes et les plus conservateurs. Donc, je me suis retrouvée en tête-à-tête avec de grands ayatollahs dans la ville sainte de Qom, qui est considérée comme le berceau de la révolution islamique. Et j'ai pu mener des entretiens passionnants avec ces hommes-là, que je n'aurais pas pu mener si je ne portais pas le voile, parce qu'ils m'auraient considérée comme une parvenue, enfin tout ce qu'on veut. Mais ça m'a permis aussi, en tant que femme, d'accéder à toutes ces sphères féminines, puisque la société iranienne, et souvent, on se retrouve dans certains cas, on se retrouve face à une ségrégation. Dans les bus, il y a la section homme et la section femme. Le métro aussi. Quand on est invité à un mariage, il y a le côté des hommes et le côté des femmes. Et d'ailleurs, on s'amuse beaucoup plus du côté des femmes, parce que les hommes, ils sont d'une austérité incroyable. Ils ne bougent pas, ils boivent du thé, thé sur thé sur thé, puisqu'ils ne peuvent pas boire d'alcool. Et les femmes, elles s'amusent. Elles dansent, elles rigolent. Dans les mosquées, c'est un peu pareil. Et ce que nous montrent les images des télévisions, c'est ce côté très austère de l'islam, les hommes qui prient à la lettre et qui crient « mort à l'Amérique, mort à Israël ». Mais quand vous atterrissez dans la section des femmes, elles font tout sauf prier. Elles mangent des pistaches, elles allaitent les bébés, elles organisent les mariages. Il y a beaucoup de mariages arrangés, donc elles repèrent les jeunes filles qui leur semblent plutôt jolie, plutôt attrayante, et puis elles vont essayer de proposer une cérémonie du thé ultérieurement à la maison pour marier leur fils. Et donc ça a été un grand avantage pour moi de pouvoir pénétrer dans ces sphères féminines, parce que c'est une composante importante de la société iranienne. Et comment on peut comprendre une société quand on n'en voit que la moitié? Et on se retrouve encore une fois, c'est intéressant cette idée de visible et invisible, parce que cette notion m'a poursuivie tout au long de ma vie à Téhéran, c'est que la société féminine, c'est aussi cette part d'invisible à laquelle j'ai eu la chance d'avoir accès. Bon, on a parlé disons, d'un Iran aimable, de la façon où les gens, la gaieté, la force permet de surmonter les interdits, mais quand même, vous avez travaillé dans des conditions des fois très très dures. Non, parlez-nous aussi de la réalité politique, des dictatures, enfin des difficultés des gens par rapport justement à la démocratie, à la liberté, à l'honnêteté aussi des élections, etc. La réalité du quotidien, donc je l'ai vécue à la fois en tant qu'observatrice et au niveau personnel aussi, en effet, elle est très complexe. En tant que journaliste, vous savez que vous êtes en permanence sous surveillance. Et ce qui est très pervers, c'est qu'il n'y a pas de censure préalable. Par exemple, moi, quand je préparais mes reportages, à l'époque, je travaillais surtout pour la radio, mais je commençais aussi à écrire pour Le Figaro. Je n'étais pas obligée, avant d'envoyer mes sujets en France, je n'étais pas obligée de les soumettre à un comité de censure. En même temps, je savais que dès que je dépassais certaines lignes rouges, j'ai été convoquée au service de renseignement. Et là, ce n'est pas agréable du tout, parce qu'on vous fait passer des interrogatoires, on vous fait peur, on vous insulte, et on vous fait comprendre que si vous allez trop loin, vous allez subir un procès et que vous pouvez être condamné pour vos mots, pour vos écrits. Donc, chaque mot a un sens, mais chaque mot aussi comporte une prise de risque. Et encore une fois, moi, j'avais beaucoup de chance. Enfin, moi, j'ai vécu un petit échantillon de ce que vivent mes confrères iraniens, parce que je savais que, oui, en Iran, j'y étais en tant qu'iranienne, j'étais perçue comme iranienne, puisque mon père était iranien, mais j'avais encore une fois cette issue de secours avec ce second passeport, mon passeport français, qui me permettait à tout moment de partir.
de partir en France. Or, les Iraniens, ils vivent dans ce carcan au quotidien. Et donc, j'ai eu l'occasion, à travers mes rencontres, à travers mes amitiés, d'entendre vraiment la voix de l'intérieur et de réaliser à quel point la vie est difficile. On peut être arrêté pour avoir dansé sur une piste de danse clandestine, dans une soirée privée. On peut être arrêté parce qu'on a trop défendu la démocratie. On peut être arrêté parce qu'on a critiqué le pouvoir politico-religieux. Et j'ai envie de citer un exemple, une femme exceptionnelle que j'évoque dans mon livre, une très bonne amie, Niloufar, qui a été arrêtée en 99, quand il y a eu les premières manifestations vraiment impressionnantes après la révolution de 79, les manifestations estudiantines. Et elle, son crime, c'était quoi? C'était tout simplement d'être sortie dans la rue pour demander plus de liberté. Et elle a disparu. Et pendant 2 ans, je n'ai pas eu de ses nouvelles. À tel point que j'ai cru qu'elle avait disparu pour toujours. Et un jour, par la plus grande des coïncidences, je suis invitée dans une soirée d'intellectuels et d'écrivains, et je tombe nez à nez avec cette femme qui me semble tellement familière, sauf qu'elle a des cheveux tout gris. Et tout d'un coup, je pense à Niloufar, et c'était elle. Et elle m'explique que pendant 2 ans, en fait, elle s'est retrouvée confinée à l'isolement le plus total, emprisonnée, derrière les barreaux, victime de torture physique, mais aussi psychologique, parce qu'il joue beaucoup sur la torture psychologique, pour pousser les gens à faire des aveux, mais de faux aveux. Grosso modo, ils ont voulu la forcer à dire qu'elle était espionne de l'Occident, de l'Amérique, que c'était elle qui avait organisé les manifestations, etc. Et donc, elle a subi 2 années derrière les barreaux. Et si ses cheveux étaient devenus tout gris et tout blanc, c'est que la prison lui avait mis une telle pression psychologique que ça s'était aussi transformé physiquement. Ouais. Ouais. En parlant de transformation, vous êtes resté donc en Iran 10 ans. Et, il y a eu beaucoup de moments différents pendant ces années. Mais aussi, il y a une profonde transformation en vous. Il y a un moment où vous parlez de quelque chose qui m'a semblé très important, le passage de journaliste à citoyenne. Quand vraiment, vous intégrez les mouvements de contestation, de protestation dans la rue. Et donc, la distance qu'on perd et finalement aussi la distance qu'on gagne quand on passe d'un côté à l'autre. Vous voulez nous parler un peu de ça? Au fil des années, c'est vrai que je me suis iranisée. Cette moitié invisible, j'ai commencé à la... Enfin, j'ai percé le mystère, donc j'ai reconquis une part de mon identité. Et dans le livre, j'appelle ça l'iranite. J'ai été atteinte du virus de l'iranite. Je n'en voyais que par l'Iran. Quand je rentrais à Paris pour revoir ma famille, pour revoir mes amis, je m'ennuyais presque parce que je réalisais qu'en France, j'avais eu cette chance de grandir dans un milieu très ouvert, très libéral, que la liberté, c'était un acquis. Sauf qu'en Iran, j'ai compris que la notion de liberté, c'était un droit qu'on défend au quotidien. Et donc, au fil du temps, je me suis iranisée en apprenant la langue aussi, en assimilant la culture, mais en intégrant aussi ces codes de transgression des interdits, en intégrant aussi la peur, parce qu'on vit avec la peur au quotidien. Et c'est ce que je dis dans l'ouvrage, c'est que à force de côtoyer la peur, je ne savais plus vivre sans elle. Et c'est comme ça que tout d'un coup, je bascule de l'autre côté. Je deviens comme ces Iraniens et ces Iraniennes que je fréquente. Et donc, quand surviennent les grandes manifestations de 2009, cette fameuse, on a appelé ça la vague verte, parce que c'était la couleur du mouvement de l'opposition, cette vague verte qui contestait en fait la réélection frauduleuse du président ultra-conservateur de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad. Et donc quand arrivent ces manifestations, je me retrouve dans une situation très particulière, parce qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui se déversent dans la rue. Qu'est-ce qu'ils réclament? Ils réclament leur vote. Ils veulent que leur voix soit entendue. Et tout d'un coup,
Le régime annonce quelque chose de très catégorique. Ça vient de la voix du guide suprême et de son entourage. Les journalistes n'ont plus le droit de couvrir ces événements. Il est interdit aux journalistes de sortir dans la rue. Donc il y a une chape de plomb qui s'impose sur la société médiatique. Et je me dis, c'est incroyable. En tant que journaliste, j'ai plus le droit de sortir dans la rue. Mais en tant qu'iranienne, je peux quand même y aller, puisque les manifestants sortent pour revendiquer leurs droits. Et c'est là où je me retrouve à sortir dans la rue, donc sans carnet de notes. Je me déguise un peu en manifestante pour ne pas me faire reconnaître. Les jeunes, parce qu'ils savaient que si les médias étaient interdits, les médias gouvernementaux, en l'occurrence, étaient là. Mais c'était devenu plutôt des médias de haute surveillance qui espionnaient pour savoir qui étaient les protestataires. Alors pour se protéger, les jeunes se mettaient des masques de protection, un peu des masques comme des masques de protection anti-pollution qu'on peut acheter dans les pharmacies, qui ressemblent à des masques chirurgicaux. Et ça les protégeait aussi d'ailleurs des tirs de gaz lacrymogène de la police. Donc je me retrouve dans les manifestations avec mon masque, mon foulard, mes lunettes de soleil pour ne pas être reconnue, ne pouvant pas vraiment exercer mon métier de journaliste. Et en face de moi, le paradoxe, c'est que les jeunes Iraniens s'improvisent à ce moment-là citoyens journalistes. Ils commencent à sortir les téléphones portables à bout de bras, ils commencent à filmer leurs propres manifestations, parce qu'ils savent que les journalistes ne sont plus là. Et le soir, ils rentrent chez eux, ils profitent de l'Internet, qui était très capricieux, hein, donc c'était souvent la nuit que l'Internet marchait le mieux, pour pouvoir publier leurs vidéos et leurs photos sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. Et c'est ces images-là, leurs propres images, qui étaient relayées par les chaînes internationales, CNN, Al Jazeera, etc., pour que le monde entier prenne conscience de ce qui se passe en Iran. Oui. Et c'est là que j'ai réalisé que les jeunes Iraniens devenaient les journalistes de leurs propres histoires, et moi, en tant que journaliste, j'étais devenue une des manifestantes. Et c'est là aussi que je réalisais que mon cœur battait au même rythme que leur cœur. C'est-à-dire que j'ai été prise dans cette vague verte, dans cette vague d'espoir, dans cette vague de contestation. C'est ce que j'explique dans le livre. J'avais un peu perdu la distance nécessaire pour raconter. En tant que journaliste, on doit en permanence quand même... Enfin, le principe du journaliste, c'est de rester objectif. C'est de donner la voix, la parole à tout le monde. Et là, j'avais un peu basculé dans la subjectivité, puisque j'étais du côté de la contestation, de l'opposition, et je n'avais pas vraiment envie de donner la voix au régime. Oui. Et vous parlez justement... On a beaucoup parlé pendant ce qu'on appelait les printemps arabes, du cyberactivisme. Mm-hmm. Vous parlez beaucoup de l'importance de l'Internet, aussi des antennes paraboliques, etc. C'est-à-dire que la société iranienne est une société informée, qui informe après, et aussi l'Internet pour les mollahs, c'est-à-dire le rapport de la religion aussi aux nouvelles technologies pour avoir un autre rapport avec les jeunes. C'est vraiment aussi l'idée de finalement d'énormément d'informations qui peuvent, malgré toutes les contraintes, circuler. Oui, l'Iran, au Moyen-Orient, c'est un des pays où il y a le plus fort taux de pénétration de l'Internet. Donc c'est toujours important de rappeler que quand je ne parle pas que de la société téhéranaise, de la capitale qui est plus favorisée. Non, quand vous allez dans les villages au fin fond de l'Iran, il y a des cafés Internet, il y a les jeunes qui ont accès aux réseaux sociaux, qui peuvent s'informer en effet sur le monde extérieur. Et le régime lui-même, comme vous le dites, a pris conscience aussi de la force de l'Internet. Donc, finalement, on fait face à une guerre de communication. Les uns et les autres utilisent l'Internet dans leur propre intérêt. Donc, autant les jeunes vont essayer d'aller sur des plateformes pour s'informer, essayer de comprendre ce qui se passe à l'extérieur, dresser des parallèles. Moi, ce qui m'avait fasciné dans ces manifestations en 2009... c'est que les slogans s'inspiraient aussi de slogans contestataires qui avaient été, à certaines occasions, dans certains moments de l'histoire, prononcés dans d'autres pays. Donc ils se sont intéressés à des mouvements socialistes italiens,
Ils se sont intéressés à tous les mouvements pacifistes, notamment le Mahatma Gandhi. Il y avait des slogans qui s'inspiraient des phrases du Mahatma Gandhi qui étaient traduites en persan dans ces manifestations. Et de l'autre côté, à l'inverse, le régime qui commence à utiliser l'Internet pour véhiculer sa propre propagande et sa propre idéologie. Donc aujourd'hui, en Iran, pratiquement toute grande mosquée a son site web. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a son propre site. La plupart des politiciens religieux tweetent. Ils ont tous des comptes Twitter qui sont suivis de façon très très large aussi par la population. Donc il y a vraiment une sorte de, oui c'est ça ce que j'appelle une guerre de communication entre deux clans différents. Oui. Mais on va changer un peu le sujet. J'ai envie, après les nouvelles technologies, de parler un peu de la tradition politique. Parce que votre arrivée en Iran, c'est aussi finalement le rapport de plus en plus intime et fort avec la langue, le farsi. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette connaissance de cette langue? Est-ce que ça a changé votre rapport au français aussi, à l'écriture? Je pense que pour s'approprier ou se réapproprier une culture, il est indispensable de passer par la langue. Et donc, quand j'ai commencé à prendre mes premiers cours de persan en Iran, j'ai réalisé que mon univers s'enrichissait, mon univers iranien. Et j'ai eu la chance de prendre mes cours de persan avec une jeune poétesse iranienne, qui en l'occurrence était aussi blogueuse. Et je trouvais ça fascinant, elle bloguait en poème. Ça montre l'importance de la poésie en Iran. Oui. Qui en France ou en Espagne va bloguer en poème? Ça semble tellement rétrograde. Et en même temps, moi, ça me semblait tellement beau et tellement charmant. Et c'est là où j'ai pris conscience du pouvoir des mots et du pouvoir de la poésie. Parce qu'en Iran, il y a un véritable art de la métaphore. On ne dit pas tout directement, puisqu'il y a la censure, mais on va raconter des histoires à travers les lignes. Le cinéma iranien en est un très bel exemple aussi. Je pense au film d'Abbas Kiarostami, qui a toujours utilisé le prétexte des enfants pour leur faire dire des choses que les parents, que les adultes ne peuvent pas dire. Et à travers cet univers donc de la poésie, ça m'a permis d'aller au plus près de cette notion de comment on peut résister à travers les mots, comment on transgresse les interdits, comment on brise les murs. Et puis, au-delà de cette lutte contre la censure, il y a aussi tout ce raffinement, toute cette culture de la politesse, on appelle ça le tarof en Iran, qui fait partie intégrante de la culture iranienne. Donc les mots sont toujours, les expressions sont toujours très fleuries en Iran. Pour remercier quelqu'un par rapport à un cadeau qu'on va nous faire, ou quand on va dîner chez une personne, on va lui dire, alors je vais d'abord dire le mot en persan et après je vais le traduire en français, on dit « daste shoma dar nakone », ce qui veut dire « que votre main n'est pas mal ». C'est très beau. Oui. Ou par exemple, pour signifier le manque, quand on veut dire à quelqu'un « tu me manques beaucoup », on va lui dire « mon cœur s'est extriqué ». C'est-à-dire que mon cœur se réduit parce que tu es loin de moi. Puis il y a des expressions assez rigolotes, quand on les traduit, ça fait un peu bizarre. Par exemple, pour dire à quelqu'un, à une personne qu'on la respecte beaucoup, on va lui dire « je suis de la poussière sous la semelle de tes chaussures ». C'est drôle et c'est beau en même temps. Oui, c'est très beau, c'est très beau. Même si ça semble quelque chose d'un peu exagéré, mais oui. C'est finalement, on voit l'essentiel. Par rapport à cette pureté aussi, parce que c'est intéressant qu'un poète comme Hafez, qui a été bon, au départ donc, le déclencheur de votre envie de reprendre et de récupérer ses racines. C'est un poète du XIVe siècle que les Iraniens, les jeunes Iraniens lisent. Je ne sais pas si j'ai bien compris cela, mais il me semble aussi qu'il y a dans cette c'est aller si loin dans la tradition, aussi une façon de chercher une langue, comment dire, non contaminée, comme si aussi l'arabe
essayer de s'infiltrer quelque part par rapport donc au Coran, etc., dans les racines du farsi. J'ai senti dans votre livre qu'il y avait cette tension aussi entre les langues et une espèce de besoin de préserver la pureté du persan. C'est vrai ? Et c'est là toute la valeur de Hafez. Tout à fait. Parce que la poésie de Hafez, c'est le persan dans toute sa pureté. Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, en Iran, en effet, il y a l'éducation dans les écoles, avec des cours de Coran obligatoires, avec des cours d'arabe obligatoires aussi, puisque pourquoi le régime se réfère à l'arabe ? Parce que l'arabe, c'est la langue du Coran. La langue du Coran, tout à fait. Donc, il y a l'éducation qu'on vous donne, et il y a l'éducation qu'on se forge dans son univers social, son univers familial. Et dans la culture iranienne, il y a même une expression, il y a une très grande importance de la transmission de père en fils, que ce soit même chez les musiciens. Ils n'apprennent jamais une partition musicale avec du solfège. Ils apprennent du maître à l'élève. Et en persan, on dit « sine bessine », ça veut dire « de poitrine en poitrine ». Et donc, c'est là où Hafez joue un rôle très, très symbolique. Parce que, quelle que soit la classe sociale, la classe intellectuelle, tout Iranien est capable de vous déclamer des poèmes de Hafez par cœur. Y compris un petit mendiant dans la rue. Un petit mendiant qui a un minimum de bagages éducatifs et culturels. Et je trouve ça très beau, parce que ça fait partie de la culture au quotidien. Et je garde toujours cette image incroyable. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de me trouver dans la rue à Téhéran et puis d'entendre la voix d'un petit mendiant qui me réclame quelques pièces de monnaie. Et il ne va pas demander ça gratuitement. Il aura toujours, et ça c'est devenu une tradition dans les rues de Téhéran, il aura souvent un petit canari sur l'épaule. Et dans sa besace, il aura des petites pochettes surprises qu'il vous tend. En fait, vous devez choisir, vous devez piocher parmi l'un des poèmes, et ce sont des poèmes de Hafez. Et donc, en échange de quelques pièces, vous avez droit à un poème. Et toute la symbolique de Hafez, en fait, c'est un peu comme la boule de cristal en Iran, si on fait une comparaison. C'est-à-dire que vous piochez un poème, et à travers toute la métaphore du poème, il y a un petit peu votre avenir proche qui va se dessiner. Et c'est très beau, c'est cette idée de l'échange aussi, de la transmission. C'est-à-dire que le mendiant, il va vous demander de l'argent, mais en échange, il va vous offrir un beau cadeau qui est ce poème, et aussi une sorte de trace de vie comme ça. Oui. Et surtout l'idée que la sagesse, finalement, qui existe dans la poésie, est capable d'orienter votre vie. Moi, je trouve que ça, c'est ce côté, ces pensées et ces vers sublimes peuvent vous indiquer le chemin, comme vous avez trouvé le chemin justement à travers Hafez. Et pour venir peut-être juste pour terminer sur la question, la notion du vocabulaire des mots arabes, c'est vrai qu'une fois que les religieux sont arrivés au pouvoir, ils ont voulu imposer plus la langue du Coran, donc la langue arabe. Donc il y a eu une arrivée massive de mots arabes dans la langue persane. Et c'est ce que j'ai pu réaliser aussi quand j'étais en Iran, c'est que vous pouvez juger du degré politique d'une personne en fonction de sa façon de parler. Si la personne met un point d'honneur à n'utiliser que des mots persans, vous comprenez que c'est une forme de contestation contre le régime. Donc pour dire merci, par exemple, on peut dire tashakkur. Tashakkur, ce mot, en fait, la racine est arabe. Ça vient du mot shokran, qui est un mot arabe qui veut dire donc merci. Et donc les Iraniens vont utiliser un autre mot. Les Iraniens contestataires, ils vont utiliser ce mot qui c'est sepas gozaram. Et là, tout de suite, dès qu'ils utilisent ce terme-là, vous comprenez que ils sont contre le régime. De quel côté ils se situent. Tout à fait. Et par rapport au français, c'est-à-dire le fait de connaître le persan, de le parler de mieux en mieux, de lire, etc. Est-ce que ça a changé aussi votre rapport à la langue française ou non? En fait, je pense que ça m'a, en tant que journaliste et aussi en tant qu'écrivain, quand j'écris mes ouvrages, je pense que ça a élargi en effet mon horizon. Ça m'a appris à être moins
moins technique, d'être plus justement de céder la place à des mots plus créatifs, plus poétiques. Et du coup, ça m'a poussé à une plus grande exigence d'écriture, une plus grande exigence littéraire. Ça a enrichi ma façon d'écrire et ça a enrichi mon vocabulaire. Bon, une dernière question avant de passer la parole au public. Et c'est justement ça, par rapport à la création, l'importance des artistes iraniens et à l'intérieur et à l'extérieur. C'est absolument une créativité, un talent incroyable. La musique, le cinéma, la littérature. J'ai pris avec moi l'autre jour dans un aéroport, et dans le New York Times, c'était pas le New York Times, c'était peut-être notre journal, Le Monde peut-être. Ça s'appelle les lettres persanes, qui parlaient des écrivaines iraniennes. Mais à l'intérieur de l'Iran, je veux dire, pas à l'extérieur. C'est impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a quand même une effervescence culturelle extraordinaire. C'est dû à quoi ? À l'énorme tradition aussi culturelle de ce pays, extrêmement riche culturellement, à ce besoin d'expression donc pour combattre. À quelles conditions, finalement, vous attribuez toute cette effervescence, et c'est incroyable dans toute la musique, comme je disais, le cinéma, la littérature, l'art plastique. Ça fait partie, en effet, je pense, d'abord de l'héritage culturel. C'est un pays pétri d'une grande richesse au niveau de la civilisation, de la culture. C'est un pays où il y a cet art de la poésie, il y a aussi l'art de la calligraphie. Oui. Donc, qui dit calligraphie dit aussi écriture. C'est un des pays du Moyen-Orient où je pense que c'est un des pays où est apparue en premier la photographie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à l'époque, c'était à l'époque du roi Qajar Nasiruddin Shah, et c'est lui qui a fait venir la photo. Et il s'est aussi improvisé photographe. Et du coup, il y a une grande tradition qui est restée de l'image en Iran. Mmh. Et quand on cite la photographie dans les pays du monde arabo-musulman, du Moyen-Orient, l'Iran revient très, très souvent sur le devant de la scène parce qu'il y a une vraie tradition aussi du rapport à l'image et à la photographie. Et bien évidemment, on a pu le voir aussi dans d'autres pays qui ont été fermés dans l'ancien bloc soviétique, l'écriture et l'art deviennent des formes de transgression des interdits, et ça pousse les créateurs à trouver d'autant plus de formes d'expression parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas tout dire directement. Donc, ils doivent user de subterfuges, ils doivent utiliser des métaphores. Et c'est ça qui encourage, je pense, encore plus à la créativité. Et vous parliez des femmes, et c'est vrai que les femmes ont un rôle très, très important dans cette culture de créativité. Il y a des romancières exceptionnelles. Oui. Moi, j'étais surprise. Enfin, j'en connaissais certaines, mais par le nombre aussi. Donc, c'est vraiment... Et elles sont très lues. Très lues. Voilà, c'est ce que le reportage disait, qu'elles étaient extrêmement lues. Bueno, pues cuando queráis pasamos, abrimos ya la conversación. Os voy a pedir, por favor, lo único que, si vais a hacer preguntas, lo hagáis con el micrófono para que las traductoras puedan traducir. Y si no, pues mientras os animáis podemos seguir hablando, pero creo que ya hay. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Ça va être un petit peu de temps. Les gens ici sont timides, mais ça va arriver, ça va arriver. Alors, mientras os animáis, je vais faire encore une question. Il y a un des personnages centrales du livre, il y a des portraits de personnes, aussi bien de femmes que d'hommes, des mollahs, des amis, des journalistes, collègues, etc. Mais il y a le personnage de votre grand-mère, qui est extraordinaire, surtout parce qu'elle est en constante évolution, vraiment. Parlez-nous un peu de cette... C'est vraiment une personne, mais aussi un personnage, je me permets d'utiliser l'expression, qui est extraordinaire. En espagnol, quand on dit « es un personaje », ça ne veut pas dire un personnage de roman, mais ça veut dire « c'est quelqu'un ». Un caractère. Tout à fait.
C'est vrai. Alors, quand je suis partie m'installer en Iran, c'était le vrai choc culturel, y compris avec ma grand-mère. Parce que donc, j'arrivais avec mon bagage culturel très français. À partir de l'âge de 18 ans, j'ai vécu seule. Je m'autofinançais, je faisais mes études et à côté, je donnais des petits cours. Je faisais du babysitting pour gagner ma vie. Et je me retrouve donc en Iran à vivre chez ma grand-mère qui me ferme toutes les portes à double tour presque parce que c'était la grand-mère orientale. Donc il était hors de question que sa petite fille aille prendre un café avec un homme, sorte toute seule et rentre tard le soir aussi. Elle surveillait tout. Elle surveillait mes appels téléphoniques, elle surveillait mes visites, à tel point que c'était une sorte d'intruse dans ma vie. Elle habitait au rez-de-chaussée et moi, j'étais au premier étage. Et quand je sortais, que je rentrais à la maison, je me rendais tout le temps compte qu'il y avait des meubles qui avaient été déplacés, qu'il y avait des traces de mains sur certains objets, qu'il y avait des journaux qui n'existaient plus. Et c'était un moment où je commençais aussi à développer une certaine paranoïa, parce qu'on parlait de la peur tout à l'heure. Et à un moment donné, je me suis dit, peut-être que les services de renseignement viennent à la maison quand je n'y suis pas. Jusqu'au jour où j'ai pris ma grand-mère, comme on dit en français, la main dans le sac, je suis rentrée à la maison et j'ai vu qu'elle était là dans mon salon à fouiller. Donc ça n'a pas facilité nos relations. Et puis au fil du temps, on a appris à mieux se comprendre, se connaître l'une et l'autre. Elle trouvait ça inconcevable que je m'intéresse à l'Iran. Elle me disait, mais qu'est-ce que tu viens faire dans ce pays si noir? Pourquoi tu n'es pas restée en France? Et puis, elle s'en fichait complètement de la politique. Pour elle, les mots-là, c'était des bons à jeter. Le système, elle ne pouvait pas le supporter. Et un jour, je me suis dit, bon, pour essayer de me réconcilier un tout petit peu avec elle, pour qu'elle arrête de faire de sa petite fille son centre principal d'intérêt, je me suis dit, je vais lui installer une parabole sur son balcon. Alors, en Iran, les antennes paraboliques, le satellite, c'est interdit. Mais bien sûr, tous les Iraniens en ont, en douce encore une fois. Et c'est des petites paraboles qui ressemblent à des soucoupes. On appelle ça du coup les soucoupes magiques en Iran. Et on les camoufle soit sur le toit, soit sur la terrasse. Donc j'ai acheté une parabole à ma grand-mère. Et là, son univers a complètement changé. Parce que la première chose qu'elle a faite, c'est de se connecter sur les chaînes satellitaires de la diaspora iranienne en exil. Et ces chaînes, en général, elles sont aux États-Unis, à Los Angeles. Et là, ce sont que des personnes qui, du matin au soir, critiquent le système et qui évoquent la nostalgie du chat, donc de l'époque monarchique. Et de temps en temps, il y a le fils du chat qui apparaît à la télé et qui fait des interviews. Et ma grand-mère, qui n'en avait rien à faire de la politique, commençait à tenir des propos et des discours très politiques, très politisés, à tel point qu'à chaque fois que le fils du chat apparaissait à la télé, elle m'appelait. En plus, elle m'appelait sur... C'est-à-dire, on avait deux lignes téléphoniques. Elle m'appelait à l'étage du dessus. Et je me disais, elle va prononcer le mot du fils du chat au téléphone. C'est à cause d'elle que je vais me retrouver en prison au final. Et donc, je descendais et s'engageais de grandes conversations politiques avec elle. Et c'est comme ça que finalement, nous nous sommes rapprochés à tel point que à la fin de mes années iraniennes, quand... Moi, j'ai dû quitter l'Iran en 2009, au moment des manifestations, et qu'elle aussi, elle se trouvait à ce moment-là en France. Ce qui m'a épatée, ce que j'aurais jamais imaginé de ma grand-mère, c'est qu'elle était à Paris et qu'elle a commencé à aller manifester devant l'ambassade d'Iran à Paris. Je me suis dit, mais là, c'est elle qui va finir par se créer des problèmes. Vous parlez aussi de votre fille, donc, qui a 4 ans, qui est toute petite. Quel est le présent de l'Iran en ce moment? Quel est l'avenir pour ce pays qui est finalement un pays très jeune? Quel est l'avenir pour ces nouvelles générations? Et je dirais aussi,
quel va être le rôle de l'Iran dans la situation très tendue du Moyen-Orient ? L'avenir, je pense qu'il est dans la main, il est entre les mains des jeunes, puisque c'est une société très jeune, 70% de la population a moins de 30 ans. Comme qui ? Et le régime, il n'est pas prêt de tomber. On l'a vu en 2009. Ouais. Malgré l'appel d'air, malgré la volonté de changement de la population, les manifestations ont été réprimées dans le sang. Il y a eu des centaines de personnes qui sont mortes et il y a des gens qui se sont retrouvés derrière les barreaux. Donc le régime a repris un peu, je dirais, les rênes du système. Maintenant, comme le dit une de mes amies dans le livre, Niloufar, elle me dit que l'Iran d'aujourd'hui, c'est comme un vase qui s'est brisé et dont on a recollé les morceaux. Donc ça veut dire que ça reste fragile, ça peut s'effriter à un moment donné. Et je pense que la fissure, elle se trouvera au moment où le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, mourra. Parce que c'est quand même lui qui reste le garant du système. En Iran, c'est un peu compliqué comme système politique, parce que c'est pas une démocratie, mais c'est pas complètement une dictature. Il y a un guide suprême qui est nommé à vie, qui est l'ayatollah Ali Khamenei, qui a remplacé le père de la révolution islamique, l'ayatollah Khomeini. Et en dessous, il y a un président qui est élu au suffrage universel direct, avec de vraies élections. Oui, avec d'autres partis politiques, etc. Exactement, avec un droit de mobilisation au niveau des partis politiques. Donc je pense que se posera la question le jour où il va mourir, parce que se posera d'abord la question de sa succession. Qui va être nommé à sa place ? Peut-être que ce sera quelqu'un de plus ouvert. Et puis aujourd'hui, il y a un vrai débat dans la classe politique iranienne de tous bords. C'est cette idée de se dire pourquoi on ne profiterait pas à un moment donné de la situation pour rendre caduque ce rôle du guide suprême qui est vraiment rétrograde. Et pourquoi pas le remplacer par plutôt une sorte de conseil de sages, de conseil de surveillance, donc qui aurait un droit de regard sur la politique, mais qui offrirait un plus grand pouvoir au président, tout en, de temps en temps, donnant son avis. Donc ça fait partie des débats politiques débats qui aujourd'hui. Existent, voilà. C'est peut-être aussi, j'aimerais un mot sur l'Europe, parce que cette jeunesse, finalement, vous avez parlé tout le temps de la peur. On vit avec la peur, et on ne peut pas s'en passer, parce que finalement, c'est aussi la passion aussi. Mais finalement, la peur en Iran, et on l'a vu aussi dans d'autres pays de la région, se traduit en courage. Tandis que chez nous, peut-être parce que 70% de la population chez nous n'a pas moins de 30 ans, chez nous, la peur se traduit dans ce sécuritarisme, cette, je dirais d'une façon un peu abrupte, mais dans la lâcheté. C'est-à-dire on voit le courage de certains pays, et en Europe, par contre, on veut plus de sécurité, et ça commence à devenir vraiment une obsession très dangereuse. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ce que je constate en effet à chaque fois que je reviens. Maintenant, je vis à Istanbul, en Turquie. À chaque fois que je reviens en Europe, que j'ai l'occasion d'aller en France ou dans d'autres pays européens, c'est fou parce que je me dis, oui, au Moyen-Orient, la vie n'est pas facile, mais justement, il y a ce courage. Et ces jeunes, leur objectif, c'est quoi ? C'est de briser les carcans, de briser les murs. Et ici, qu'est-ce qu'on fait ? On fait tout l'inverse. Oui. Il y a un repli identitaire. Et on construit des murs, on reconstruit des frontières, on se réfugie presque derrière son téléviseur, en fait. Parce que la seule image qu'on a de l'extérieur, de l'étranger, c'est ce qu'on voit à la télé. Et c'est ce que véhiculent les masses médias, c'est-à-dire des images aussi très, très réductrices de la situation. Et manipulées, des fois. On nous présente, par exemple, aujourd'hui la Syrie seulement à travers le prisme de Daesh, de l'organisation de l'État islamique. Mais la Syrie, c'est pas que ça. Il y a également encore aujourd'hui une opposition modérée, une opposition pacifique qui continue à se battre et contre le pouvoir tyrannique de Bachar al-Assad et aussi contre Daesh. Donc ce sont des gens qui sont vraiment pris en sandwich. Et ici, on le voit en Europe, il y a ce repli identitaire. Du coup, on va voter
pour des présidents ou des députés qui jouent cette carte de la peur et du repli identitaire et qui se réfugient dans une autre forme d'extrémisme, c'est-à-dire le côté aussi très populiste, très on ferme les frontières, on n'accepte aucun réfugié, de toute façon c'est tous les mêmes, ce sont des islamistes, islam veut dire islamisme, voire djihadisme, et ça je trouve ça très inquiétant, c'est qu'on a oublié de se... On ne se parle plus les uns les autres. Oui, tout à fait. Alguna pregunta? Sí, tenemos ahí una. Luego aquí, por favor. Buenas tardes. Has hablado de recitales de poesía que se hacen en las casas. Supongo, no sé, me gustaría saber si son en familia o participan solo las mujeres y los niños o también los hombres. ¿Toda la familia o cómo? Gracias. La politique, elle est vraiment omniprésente, la poésie, pardon, elle est omniprésente dans le quotidien, donc ça peut être une mère qui décide de déclamer des poèmes avec son enfant, ça peut être complètement informel et ça peut être un petit peu plus formel avec de vrais cercles littéraire. En Iran, il y a une association des écrivains iraniens, il y a une association des poètes iraniens. Et ces gens-là se rencontrent, lisent à voix haute leurs poèmes à leurs amis. Je pense à une poétesse qui est décédée l'année dernière, qui s'appelle Simin Bebahani. Et cette femme était exceptionnelle parce qu'elle me racontait cette anecdote, parce que je lui disais, mais comment vous en êtes arrivée à écrire de la poésie. Elle me dit, mais pour moi, c'était tout à fait naturel. Parce que quand j'étais petite, mes deux parents adoraient la poésie. Et quand ils se disputaient à la maison, ils se disputaient en déclamant des poèmes. Donc, ils se réfugiaient l'un comme l'autre dans les vers de poètes respectifs. Et donc, ils jetaient les vers, les assiettes, et en même temps, ils déclamaient des poèmes. Et elle me dit, bah, donc, c'est tout naturellement que je suis devenue poétesse. Comme les tirades dans le théâtre, non? Finalement, c'est ces conflits qui se font en vers, c'est très beau, ça. Une question, Delphine. Vos livres, ils sont traduits en persan, ils sont lus en Iran? C'est une bonne question à laquelle j'aurais du mal à répondre, en fait, parce que... est-ce que les gens ont entendu la question? Non, je lui demandais... Ha preguntado si los libros... Me estaba preguntando si sus libros estaban traducidos y leídos allí en Irán. En fait, en Iran, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de tradition de copyright, de droit d'auteur. Donc, l'Iran, c'est le royaume, entre guillemets, de la contrefaçon, même au niveau des marques vestimentaires. Ce qui est très rigolo, c'est quand vous allez au grand bazar, au grand marché à Téhéran, ils vous vendent au maître des étiquettes Lacoste, Chanel, etc., que vous allez couper et que vous allez pouvoir coudre sur vos vestes. Ben, c'est un peu la même chose au niveau littéraire, c'est-à-dire qu'ils adorent traduire, ils ont une connaissance incroyable de la littérature étrangère, de la philosophie, des mouvements de pensée. Tocqueville est traduit en persan, Hannah Arendt est traduit en persan, mais malheureusement, les éditeurs des autres pays sont les derniers, et les auteurs aussi, sont les derniers à être informés de la traduction de leurs écrits. Alors, pour cet ouvrage-là, Je vous écris de Téhéran, j'ignore si aujourd'hui il y a une traduction peut-être clandestine sous le manteau, si ça va être publié, parce que si c'est publié, bah, ça peut être aussi censuré, c'est-à-dire que ce que j'écris, ça ne plaît pas au système. À ma connaissance, j'ai un de mes ouvrages qui a été traduit en persan. C'est un ouvrage que j'avais écrit sur une petite yéménite. Au Yémen, il y a ce fléau des mariages précoces. Et donc, cette petite yéménite avait eu un courage exceptionnel. Elle avait été mariée à l'âge de 10 ans et elle s'était enfuie au tribunal et elle avait demandé le divorce. Et c'était inédit. Donc, elle obtient le divorce et donc j'ai rédigé son histoire en français. Et un jour,
je reçois un coup de fil d'une... Oui, ça a été traduit aussi en ça espagnol. Ça a été traduit en espagnol, et voilà le... Je vous dirai après le référence. Et je reçois le coup de fil d'une amie iranienne qui me dit « Dis donc, je suis passée dans la vitrine d'une librairie et j'ai vu un livre sur une petite yéménite et j'ai vu qu'il y avait ton nom sur la couverture et donc j'ai feuilleté les pages. » Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert que l'ouvrage avait été traduit en persan. Mais le traducteur ne m'a jamais contactée, l'éditeur non plus, et je ne l'ai jamais eu sous la main encore. Il n'a même pas eu la décence de m'envoyer quelques exemplaires. Exemplaires. Vous avez sous la main là, la traduction espagnole. Me llamo Noyut, tengo 10 años, estoy divorciada, en el círculo de lectores. Está en la biblioteca aquí arriba, o sea que podéis acceder. Vous vivez depuis quelque temps à Istanbul. Comment vous voyez la situation en Turquie en ce moment ou à Istanbul? On a vraiment l'impression que c'est très tendu. Oui, malheureusement, c'est plus la Turquie qu'on a connue il y a quelques années, qui incarnait aux yeux de tous, même en Europe, pendant tout ce processus aussi d'adhésion à l'Europe, qui incarnait ce modèle de démocratie islamique, de laïcité, mais version entre guillemets musulmane, à tel point que le président Erdogan a été d'ailleurs érigé un peu en symbole quand il y a eu ce qu'on a appelé le printemps arabe, les révolutions dans le monde arabe à partir de 2011, quand ça a commencé en Tunisie, que c'est parti en Égypte, en Libye, la Syrie, etc. En tant que journaliste, j'ai couvert toutes ces révolutions et j'étais très marquée à chaque fois que j'allais quelque part. Et quand je leur demandais quel est votre idéal politique pour le futur, et ils citaient toujours en exemple la Turquie. C'était vraiment, on appelait ça le modèle turc. Mmh. Aujourd'hui, le modèle turc, il a volé en éclats. Récemment, cet été, il y a eu un coup d'État raté contre le président Erdogan. Et ce qui est terrible, c'est qu'il a saisi ce prétexte de la purge contre les commanditaires du coup d'État pour l'élargir à toute la société contestataire, donc à toute l'opposition. Et cette opposition, elle est très large. Et aujourd'hui, vous avez des milliers de professeurs d'université qui ont été arrêtés, des juges, des avocats, des hommes d'affaires. Et ça touche aujourd'hui également des écrivains. Et je voudrais en profiter pour rendre hommage à une femme exceptionnelle, encore une femme, Asli Erdogan, qui est une grande romancière turque, qui est aujourd'hui derrière les barreaux. Et ça, c'est terrible. C'est une espèce de chape de plomb qui est en train de s'abattre sur la société turque. Oui, parce que moi, c'est aussi un peu le piège dans lequel, à mon avis, est pris l'Occident ou l'Europe. En Syrie, on soutient Al-Assad contre Daesh et en réalité, on soutient un dictateur. Erdogan, maintenant, avec toute cette affaire des réfugiés, commence à être beaucoup plus toléré, disons, en Europe. Donc, finalement, on ne s'en sort pas. C'est vraiment l'impression que les intérêts, quelque part, européens sont finalement en train de soutenir en ce moment et pour lutter contre... Des dictatures ou de mettre en place, légitimer quelque part des dictateurs aussi, non? C'est ça qui est terrible, c'est que, et souvent ce sont bien évidemment les populations civiles qui en sont les victimes, avec un grand degré d'incompréhension et puis une sensation parfois d'hypocrisie de la part de certains pouvoirs occidentaux qui, à leurs yeux, encadrent justement ce modèle de démocratie, d'ouverture. Mais souvent, ils font face à une situation de politique de deux poids, deux mesures. Parce que, par exemple, quand il y a eu le début de la crise des réfugiés, les réfugiés syriens qui sont partis d'abord en Turquie et qui ensuite ont pris des rafios clandestins pour partir en Europe, tout d'un coup, l'Europe s'est réveillée quand les réfugiés, entre guillemets... a commencé à les envahir. Mm-hmm. Mais la crise des réfugiés, elle existait depuis longtemps. Depuis longtemps, tout et tout le monde fermait les yeux. Donc l'Europe se réveille, pourquoi? Parce qu'elle se sent touchée à ses portes, par un phénomène, par une crise humanitaire.
mais qui était déjà là, qui était déjà bien, bien réel, malheureusement. Et donc, il était déjà un petit peu trop tard. Oui, il y a une question. Sí, hola. Buenas noches. Antes me ha parecido entenderle que a la vuelta, cuando volvió de Irán a París, pasó de estar luchando por la libertad, digamos, a diario, en pequeñas parcelas, a tenerlo todo dado y de repente no saber qué hacer con esa fuerza o con esa, no sé, como una especie de desaceleración vital. Y quería saber si le dio tiempo a buscar alguna otra cosa que hacer con el sentido, digamos, o tuvo que irse otra vez a un sitio. No sé si se ha entendido la pregunta. ¿Te refieres a si encontrar un sentido de lucha en Francia, por ejemplo? Eso es, o sea, ella como persona, o sea, no tanto como, como políticamente, sino en ella, me ha parecido entenderle que cuando volvió de Irán se encontró con, pues casi casi como desacelerada, digamos. Y si eso ha sido sustituido, esa pasión, digamos, esa fuerza con algún otro sentido, algún otro objeto, algún otro, un hijo, una pareja, un amor, algo. O, no, lo digo en serio, lo pregunto en serio. No, no, que creo que es en serio, sí, que lo tomará así. Bueno, sí. C'est une bonne question parce qu'en effet, vous parliez d'amour. J'avais développé un tel amour pour ce pays, l'Iran, donc j'appelle ça même l'Iranite. Et quand j'ai dû partir, c'était contre mon gré. C'est parce que j'ai subi trop de pression des services de renseignement, du régime. C'était comme un divorce. Ce qui m'a sauvée, enfin, ce qui m'a sauvée aussi, je pense, c'est, et j'en parle dans le livre, c'est aussi mon mari. Mon mari, il est aussi d'origine iranienne, il a grandi aux États-Unis. On s'est rencontrés en Iran, donc on a vécu tous ces événements ensemble. Il y a eu beaucoup de partage et de soutien et de solidarité. Et c'est lui qui, à un moment donné, m'a dit « tu dois divorcer de l'Iran ». Et j'ai eu cette chance de divorcer de l'Iran, mais justement de ne pas divorcer de mon mari. C'est ce qui nous a soudés encore plus, parce qu'on partage la même passion. Et cette passion, elle dépasse quelque part l'Iran. C'est-à-dire que c'est aussi la passion journalistique. C'est la volonté de tordre le cou au cliché, de dépasser les a priori et de raconter ce qui se passe dans ces pays qui semblent si loin, qui font peur. Donc finalement, l'Iran, c'était comme un livre, c'était le premier chapitre. Et puis après, on a poursuivi avec d'autres chapitres. On a eu un chapitre libanais, on s'est installé au Liban. On a eu un chapitre un peu printemps arabe, parce qu'à un moment donné, on ne savait plus vraiment où on habitait. À partir de la révolution tunisienne, on est parti en Tunisie. Et puis il y a eu ensuite l'Égypte et après la Libye. On s'est retrouvé dans une situation abracadabrante où on a vécu les derniers mois de Kadhafi en Libye. Ensuite, on est parti s'installer en Égypte. Et maintenant, aujourd'hui, on vit en Turquie, à Istanbul. Et cet amour de l'Iran, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, en tant que femme, mais aussi en tant que mère, puisque ma petite fille maintenant a 4 ans et demi, c'est de pouvoir le transmettre. Et j'ai eu cette chance tardive de la transmission de mon grand-père à moi, sa petite fille. Ça a sauté une génération, puisque malheureusement, mon père ne m'a pas transmis cet Iran. Et donc, je me dis que j'ai envie de donner ça à ma fille. Si c'est un cadeau que je peux lui faire, j'ai envie de la faire grandir à l'heure justement des replis identitaires, de lui donner la chance de grandir dans le multiculturel. Et donc, à la maison, à Istanbul, on parle plein de langues à la maison. On parle l'anglais, on parle le français, on parle le persan. À l'école, elle apprend un peu le turc. Mais comme elle est née, il faut dire qu'à 4 ans et demi, elle a déjà fait beaucoup de choses parce qu'elle est... J'ai accouché à Beyrouth, elle est née à Beyrouth, elle a grandi en Égypte et maintenant elle vit en Turquie. Donc elle parle un petit peu aussi l'arabe. Et j'espère que ça va lui ouvrir un horizon et c'est ça qui me redonne confiance aussi en la nouvelle génération. C'est de se dire
vu la situation politique aujourd'hui, pas spécialement au Moyen-Orient, mais aussi en Europe et ailleurs, en Occident, aux États-Unis, avec l'élection de Trump, on ne fait pas un grand cadeau à nos enfants. Mais je me dis que bah, ce sera aussi leur mission, d'une certaine façon, de, d'essayer de rebriser à nouveau ces, ces frontières qui se reconstruisent. Hola, buenas tardes. Quería, no sé si le he entendido bien, esa antigua amiga que la había perdido por algún tiempo, que había estado detenida, torturada, ¿es posible que se puedan volver a ver? ¿Está localizable o sigue con problemas que le han venido, que le han generado esos años tan negros? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra ella? Quand je l'ai retrouvée dans cette soirée, en fait, elle était encore tellement hantée par la peur, traumatisée, qu'elle ne voulait pas parler, elle ne voulait pas me raconter ce qui lui était arrivé. Et donc, il a fallu du temps pour qu'elle me raconte son histoire et ses deux années derrière les barreaux, avec tout le détail de la torture, des interrogatoires. Et elle m'a raconté tout ça une fois qu'on s'est retrouvés un petit peu plus tard en France, dans la ville de Nice, où elle avait décidé de s'installer. Et pendant longtemps, elle n'est pas retournée en Iran. Et ce qui m'a frappée parmi tous les Iraniens que j'ai rencontrés à travers toutes ces années, c'est cet amour du pays. C'est que malgré la souffrance, malgré la répression endurée, à un moment donné, ils ont toujours le courage de repartir. Et donc, à plusieurs reprises, elle est repartie en Iran. Elle a profité aussi, parce que l'Iran, c'est un peu l'Iran des vagues. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des phases de pression, de fermeture, et puis il y a des phases d'ouverture où ça va un petit peu mieux. Donc, à plusieurs reprises, elle est repartie en Iran, mais en étant très, très prudente. Et puis, on s'est revus récemment. Maintenant, elle habite à Paris. Et elle est incroyable, parce qu'elle est restée très, très active. Et donc, après les fameuses manifestations de 2009 et la répression, il y a eu tout un mouvement d'exil. Il y a des activistes, des opposants politiques qui sont allés se réfugier en Europe, notamment en France. Et donc, elle avait transformé à cette époque-là son petit appartement parisien en centre d'accueil pour réfugiés iraniens. Et j'ai trouvé ça très beau, parce que cet engagement politique qu'elle ne pouvait plus avoir en Iran, elle le reproduisait à un petit niveau à Paris. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous poser la dernière. On parle d'avenir, d'enfants. Quels sont vos projets d'écriture notamment? Alors, des projets d'écriture, il n'en manque jamais. Après, c'est le temps souvent qui manque, parce que c'est très difficile, en fait, quand on est à la fois journaliste et écrivain. C'est que, surtout étant donné l'actualité, et puis j'écris pour un journal quotidien, pour Le Figaro, et du coup, je suis très, 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 très sollicitée pour pouvoir écrire des articles. Mais j'ai quand même un projet qui me tient vraiment à cœur. Je vais vous en dire juste deux petits mots, peut-être. Je vais raconter dans un livre cette très très belle histoire qui est aussi pour moi un message d'espoir, malgré la noirceur de la situation. Ça parle de Syrie, ça parle d'un groupe de jeunes, donc c'est une histoire vraie, je m'inspire d'une histoire vraie. Un groupe de jeunes dans une banlieue de Damas qui s'appelle Daraya, qui a subi le siège, qui a été assiégé par le régime pendant 4 ans. Donc en fait, ils ont subi ce que subissent aujourd'hui les habitants d'Alep, dont on parle beaucoup en ce moment. Et malgré les bombes, malgré les bombardements, malgré la faim, parce que c'est une politique où on affame les populations, ces gens-là, à un moment donné, ne se nourrissaient que d'un repas par jour, avec des feuilles qu'ils ramassaient dans la rue, et ils faisaient bouillir ces feuilles, ils buvaient des soupes. Et donc, malgré la dureté et la violence de la guerre, il y a un groupe d'activistes qui s'est organisé et qui s'est dit
pour pas devenir fou, pour pas sombrer dans la violence comme le souhaiterait le régime, on va essayer de résister par la culture. Et donc, ils sont allés systématiquement récupérer les livres des décombres des maisons bombardées. Donc, souvent, les habitants avaient été morts ou s'étaient enfuis. Et donc, ils sont allés sauver tous ces ouvrages dans les ruines de la ville. Ils ont créé une bibliothèque souterraine clandestine dans un sous-sol pour aussi épargner ce sous-sol des bombardements. Et donc, ce prochain livre, c'est l'histoire de cette bibliothèque. La résistance par les mots, et c'est cette idée que face aux bombes du régime, qui sont en fait des armes de destruction massive, il y a ce pouvoir des mots et des livres qui sont des armes d'instruction massive. Et avec ce souci aussi de la part de ces jeunes de voilà, qu'est-ce qu'on va transmettre aux futures générations. Vous allez le raconter comme un livre du réel ou comme une fiction, un roman par exemple? Je reste toujours très attachée au réel, c'est mon côté journalistique. Et souvent je réalise que dans ce genre de situation extrême, parfois la réalité dépasse la fiction. C'est-à-dire que c'est une réalité tellement terrible que même si j'avais eu à un moment donné l'idée d'écrire un roman, j'aurais pas, même dans cette volonté de décrire la tyrannie et l'horreur de la dictature, j'aurais pas trouvé autant d'exemples que ce que ces jeunes-là vivent. Oui. Donc c'est comme ça que je vais vraiment raconter l'histoire de l'intérieur à travers des allers-retours aussi de conversations qu'on a pu avoir, parce que moi, ces jeunes-là, je n'ai jamais pu les voir. Ils vivaient encerclés. Donc, ce qui nous a permis de communiquer, c'est la seule fenêtre qui existait, c'était la fenêtre de l'Internet. Et donc, c'est à travers ce miroir, enfin, cette fenêtre de l'Internet, que je vais raconter ce qu'on n'a pas pu voir. C'est-à-dire que le régime, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu les rendre invisibles. Et donc, je vais essayer de les rendre visibles. Pour justement, je pense que en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'écrivain, on a un devoir de mémoire, et donc ça va être tout l'objet de ce livre. Et à l'époque, quand on a commencé à discuter avec ces jeunes, c'était il y a un an, le rêve que je développais, c'était qu'un jour il y ait la paix, que la guerre soit terminée, et donc que cette histoire, leur histoire que je voulais écrire, que ce soit un des livres parmi tous ces livres qu'on mettrait dans la bibliothèque, dans cette bibliothèque clandestine. Or, aujourd'hui, ce qui est très triste, c'est que le régime a gagné, puisqu'il a repris la banlieue de Daraya. C'est ce qu'il essaye de faire avec Alep aujourd'hui. Donc, tous ces jeunes, ils ont dû quitter la ville. Ils ont dû partir. Le régime va détruire ces livres. Donc, ce livre, ce sera cette mémoire qu'on n'a pas voulu qu'on n'a même pas voulu leur laisser. Raconter pour ne pas oublier. Exactement. Encore une question? Oui. Et c'est la última. Gracias. Oui, je voudrais savoir comment ça se passe par rapport à la guerre en Syrie. Comment ça se passe en Iran? S'il y a des réfugiés, c'est quoi le rôle des Yémen par rapport à la guerre? Le rôle de l'Iran par rapport à la guerre en Syrie? Alors, il y a deux Irans par rapport à la Syrie. Il y a le pouvoir iranien qui considère qu'il est un allié stratégique du président syrien Bachar al-Assad. Donc, aujourd'hui, les Iraniens sont ouvertement présents en Syrie. Il y a des gardiens de la révolution, donc c'est l'armée, une des armées parallèles du régime iranien qui sont sur place. Il y a des miliciens qui se battent aux côtés de l'armée syrienne et avec l'appui aussi de l'armée russe contre l'opposition syrienne. Et si on se place du côté de la population, je dirais plus l'opposition iranienne contre le régime, ces gens-là sont très très embarrassés et ont bien évidemment honte de cette prise de position du régime syrien. Bueno, pues, est-ce qu'il y a des réfugiés En Iran? En Iran, oui. Non, il n'y a pas de réfugiés syriens parce que, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de frontière commune entre la Syrie et l'Iran.
En revanche, il y a beaucoup, beaucoup de réfugiés syriens en Turquie, où je vis aujourd'hui. Il y a plus de 2,5 millions de réfugiés syriens. C'est énorme. Et les réfugiés syriens sont répartis essentiellement aujourd'hui entre la Turquie, le Liban, la Jordanie aussi, c'est-à-dire tous les pays limitrophes de la Syrie. Bueno, pues gracias a Delfina por su extraordinaria presentación de hoy. Gracias a todas y a todos. Recordaros que mañana cruzamos la frontera con la última jornada del festival en la mediateca del centro de Bayona, en el que volverá a estar presente Delphine Minuit, esta vez en conversación con otra escritora, con la escritora rumana Irina Teodorescu. Tendré el placer de conversar con las dos. O sea que invitadas y invitados, si queréis, con mucho gusto. Gracias.